Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue de liquide, comme d'habitude on va se faire un tabac de chez Avoria, le Black Cavendish. Le Black Cavendish en 9 mg de nicotine, flacon de 12 ml, flacon semi-souple, bouchon sécurité enfant, pipette de remplissage très fine, c'est très agréable. Composition du liquide, date de péremption, picto faisant 1 cm sur 1 cm, donc bien conforme à la réglementation phytosanitaire actuelle. Pictogramme déconseillé aux femmes enceintes, ne pas ingérer et interdit aux moins de 18 ans. On est sur un flaconnage de qualité. On voit bien que Avoria travaille sur une réglementation qui s'approche vraiment de la réglementation française. Je vais mettre ça dans un asset sur le mini Provari, un petit clin d'œil à Tom sur ce coup-là. Je vais mettre quelques gouttes. J'ai déjà préchargé la taux et on va voir ce que donne le Black Cavendish. Voilà. Allons-y. Au niveau du hit, on est sur un hit en haute gorge, correct, on est dans du 9 mg correctement placé. Au niveau de la saveur, on est sur un tabac blond de Virginie aux accents biscuités, pour moi légèrement beurrés. J'ai une sensation qui me vient tout de suite quand j'ai à la dégustation de ce liquide qui est les petits beurres. Voilà, les petits beurres de chez lui, pour ne pas te citer. C'est très agréable, c'est un mélange très très agréable, très doux, très harmonieux. Ça change vraiment. C'est un produit qui a une très bonne persistance en bouche. À l'expiration du puff, on garde bien ce petit goût biscuité, beurré, qui est vraiment excellent. J'aime beaucoup ce liquide, je le trouve très agréable et je pense que je pourrais le vaper toute la journée sans aucun problème, sans lassitude aucune. D'autre part, ce tabac me fait beaucoup penser au tabac de la gamme Délice qui s'appelait à l'époque, parce que maintenant il n'est plus fabriqué, l'Oriental. Mais l'Oriental était très 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 très, très spéculoos, très très puissant, alors que là on est sur quelque chose, encore une fois comme pour le Pina Colada, de très harmonieusement dosé et c'est vraiment très très agréable à vaper. On va regarder la dernière chose qu'on regarde en principe, enfin la première chose qu'on regarde en principe, mais maintenant j'ai changé un petit peu, c'est la vapeur. On a une belle vapeur, c'est des produits qui sont en 2 tiers, 1 tiers, donc sur 12 ml, 2 tiers de propylène glycol, 1 tiers de glycérine végétale. Une belle vapeur, il n'y a rien à dire là-dessus, on est vraiment sur quelque chose de très correct. J'aime beaucoup ce tabac, le Black Cavendish de chez Avoria. Black Cavendish de chez Avoria. Ce produit m'a été mis à disposition par la société Ibrum Air, donc le shop Ibrum Air, qui le commercialise à un prix de 4,90€ les 12 ml. Voilà, tout simplement. C'est ce que j'avais à vous dire pour la revue du Black Cavendish. C'est très simple, c'est une revue très très simple. Pour un tabac qui vraiment vaut le coup, pour moi. Maintenant, faites-moi les retours dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà goûté. Sur ce, tout se passe bien, tout avance bien. Les abonnements grimpent gentiment. On va arriver à 250 abonnés. Cette fois, je vais vous faire donc ce fameux concours des 250 abonnés. Avec il y aura du Supreme E à gagner, un Protank V1, et puis je sais pas, je vais en mettre encore d'autres petites choses, je pense, peut-être 2-3 trucs en plus. Donc voilà, merci à tous pour vos abonnements, merci de liker ou disliker, de vous abonner ou pas. Merci à vous d'être là et puis de regarder les vidéos, c'est vraiment très sympa. Sur ce, je me fais une petite vape et je vous souhaite une bonne vape et à la prochaine sur d'autres vidéos. Bye!